ta voix, Seigneur, rien que ta voix, tu es le potier, je suis l'argile, façonne-moi pas ta volonté. Psaume chapitre 47, nous lisons la parole du Seigneur. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qui l'aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve. Du cœur de Dieu.
toi notre Père et notre Dieu, comme l'Écriture le dit, tu es vraiment redoutable. Sois exalté encore ce soir pour ta bonté, pour tes merveilles, Seigneur, pour tes bienfaits, Seigneur Jésus. Gloire et honneur à toi, toi qui es le plus élevé, Seigneur Dieu. Tu t'es tellement abaissé si bas, mon sauveur, et tu as été élevé tellement si haut. Oh, que ton nom soit béni, et tu as un nom tellement excellent, à tel point qu'à ton nom, à toi, tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Tu es le redoutable, mon roi, le puissant conquérant, mon roi. Tu as tout conquis, mon bénémoine Seigneur et Sauveur, et tu domines dans l'espace, sur la mer, bénémoine Père Tissant, dans la mer et sur la terre, mon roi, dans le hauteur, mon bénémoine Père Saint-Dieu, dans chaque coin, mon bénémoine Père Tissant, tu es le maître de l'univers. Louange et honneur à toi. Oh, comme tu l'as dit encore ce soir, battez de mains, chantez à l'Éternel. Oh, Jésus-Christ, mon roi, tu les mérites, mon bénémoine Seigneur. Tu es vraiment le redoutable, le rédempteur glorieux, le puissant vainqueur, mon roi. Merci pour ta victoire, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Il nous a aussi de victoire, mon bénémoine Père Tissant, et nous la possédons aussi, Seigneur. Et nous sommes plus que vainqueurs, parce que toi, tu nous as vraiment aimés, Seigneur, et tu as accompli l'œuvre qu'il fallait, Seigneur. Oh Dieu, tu as bravé tout, mon roi. Merci réellement pour en Golgotha, mon bénémoine Seigneur Jésus. Tu es vraiment vainqueur, mon sauveur. Merci pour le pardon que tu as acquis pour nous, mon bénémoine Père Dieu. Merci pour le salut que tu nous as donné. Et comme il a dit dans ta parole à toi, tu as amené captive la captivité, Seigneur. Tu nous as rendu vraiment libres, mon bénémoine Père. Merci encore pour cette soirée, Seigneur. La joie, Père du Puissant, d'être dans ta maison bénie, notre précieux frère Christian, sauveur. Merci vraiment pour ces dons, merci pour les chants et les cantiques, Père du Puissant, Dieu, merci d'avoir été transporté, Seigneur. Nous nous sommes sentis tellement si bien. Oh, c'est vrai, nous nous sentons tellement bien dans ta maison, à toi, mon sauveur, et en chantant des chants des lions, vivons, Père du Puissant, Dieu, avec puissance, mon roi. Béni sois-tu, Père. Merci pour chaque frère et chaque sœur, encore ce soir, en ces lieux. Et tous ceux qui sont des nôtres aussi rassemblés dans différents endroits, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et les merveilles que tu ne cesses d'accomplir pour nous, et les biens que tu ne fais dans notre vie, Seigneur, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Cela sois béni et glorifié. Merci pour le psaume, merci pour tout. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, remercié, Père, dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse, qu'il soit donc béni et glorifié. Nous sommes heureux, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux lorsque nous nous retrouvons dans sa maison. Et merveilleux aussi de chanter des chants de Sion et des gloires pour son nom, parce qu'il le mérite. Vous savez, c'est toujours très touchant quand on peut voir ce que le Seigneur, notre Sauveur, a enduré effectivement pour que aujourd'hui nous puissions être des hommes libres et de pouvoir réellement aussi les servir librement, de le louer, de les glorifier de tout notre cœur pour tout le bienfait qu'il nous a toujours apporté. Et jusqu'à ce jour, aujourd'hui encore, il ne nous a jamais manqué de rien. Il prend soin de nous, il nous soutient, il pourvoit vraiment à tous nos besoins. Il nous guérit de toutes nos maladies, il nous fortifie. Quand nous sommes faibles, il nous relève. C'est vraiment le puissant vainqueur et les grands conquérants. Nous nous sentons tellement si bien. Oh, qu'il soit béni. Alors ça nous pousse de pouvoir vouloir chanter. Ah, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Il est vraiment, c'est merveilleux de pouvoir avoir vraiment l'absolu et le vrai, parce qu'il dit l'amen, les témoins fidèles et véritables. Lorsque lui, il dit et la chose doit vraiment exister en fait, parce que quand il dit, la chose arrive.
Nous sommes heureux et nous devons nous réjouir chaque jour de notre vie, de ce que sur cette terre des hommes, nous l'avons en fait. Et quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, et sa houlette et son bâton nous rassurent certainement. Et nous sommes certains de sa présence qui ne fait jamais défaut dans tout le lieu. C'est pour ça que les psalmistes criaient, mais où fuirais-je loin de ton esprit, hein? Si je descends là dans les ténèbres, qui voilà. Et c'est vrai, nous réalisons combien il est présent, et il soutient, il conduit, il garde effectivement son troupeau, mais d'une manière aussi jalouse. Hein? Parce qu'il dit, je suis un Dieu jaloux. Il veille sur ce qui lui appartient. Il a dit, ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal aussi à mes prophètes. Nous représentons beaucoup pour les seigneurs, alors parfois que nous ne nous rendons pas compte. C'est pour ça qu'il est descendu, pour réellement aussi payer les prix pour notre rachat. Il est vraiment notre parent rédempteur. Nous n'en avions pas, mais maintenant nous l'avons. C'est lui qui a payé effectivement aussi les prix pour que nous puissions avoir accès auprès du Père et nous puissions aussi bénéficier effectivement aussi de toutes les promesses que le Seigneur a eu à pouvoir faire effectivement et que nous nous sentions aussi impliqués aussi dans le programme et les plans de notre Dieu. Il a fait vraiment une œuvre grandiose. Nous le remercions vraiment et notre reconnaissance ne sera jamais assez à son endroit. Frères et sœurs, nous devons vraiment lui être reconnaissants. De l'amour qu'il a vraiment manifesté en notre endroit, il a versé son propre sang hein, pour chacun de nous. Il n'était pas obligé, mais il a fait cela parce que il nous a aimés, comme on dit, à cause du grand amour dont quel Dieu nous a aimés, effectivement. Et il a fait cela à cause de son amour. Et nous aussi, en retour aussi, notre amour à son endroit doit être vraiment un amour sincère et profond d'abord à l'endroit de Dieu. Si nous n'arrivons pas à aimer Dieu de tout notre cœur, sans vraiment un intérêt qu'on peut chercher comme il a eu à pouvoir prier, j'ai beaucoup aimé cela, sans vraiment un intérêt particulier à l'endroit de Dieu, simplement parce que nous l'aimons. Alors que, vous savez, souvent, c'est un peu dans les habitudes de tout chacun de nous comme ça, il y a toujours un intérêt pour lequel nous nous approchons de Dieu. Nous nous approchons jamais parce que il est ce qu'il est pour nous. C'est rare quand même lorsqu'on peut arriver à pouvoir avoir cette position. Parce que quand on s'approche de lui pour ce qu'il est en fait pour nous, alors même dans le moment le plus difficile, même quand on est malade, même quand on est ceci, on ne peut pas se plaindre. Et on ne glorifie ces dieux que parce qu'on sait ce qu'il est véritablement pour nous. Il nous faut vraiment atteindre cette relation aussi profonde, mon frère et ma sœur, dans notre vie, parce que les jours sont tellement si mauvais. Et c'est pour ça que les Saintes Écritures nous rappellent encore qu'il nous est nécessaire de racheter le temps, en fait. Et ça, c'est 100% vrai. Il faut que nous puissions apprendre à racheter le temps. Ça veut dire quoi? Parce que c'est vraiment nécessaire. Ce qui veut dire que le temps dans lequel nous nous trouvons et aussi les périodes dans lesquelles... Et surtout que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions arriver à pouvoir vraiment voir effectivement combien notre adversaire, il est vraiment malin, vraiment mauvais de mauvais, effectivement aussi, et qu'il est vraiment un trompeur et un menteur, effectivement aussi. Et il se cache tellement dans des situations pour qu'on puisse pas arriver à pouvoir le voir. Parce que le but, c'est que, comme n'oubliez pas ce que nous avons eu à pouvoir, c'est que, comme un poisson qui est dans l'eau, hein, et on lui donne en fait quelque chose comme leurre comme ça, et que bon, le poisson avale, lorsqu'il avale, il se rend pas compte qu'effectivement, qu'il est coincé. Donc, il nous est nécessaire de pouvoir aussi arriver à pouvoir comprendre que les diables qui rôdent, effectivement, comme l'a dit, qui rôdent, ils cherchent simplement à pouvoir détruire. Et tout ce que le monde nous donne, qui est tellement flambant et tellement avec des attraits, toutes ces choses-là, effectivement, ce sont des pièges que l'ennemi met au devant de nous.
C'est pour ça que les Saintes Écritures, effectivement, nous montrent le chemin et nous dit que le chemin que le Seigneur veut que nous puissions prendre, effectivement, il est étroit, vraiment resserré, effectivement. Très peu le trouvent. Vous voyez que tout le monde s'en va simplement dans le chemin qui est large et spacieux, effectivement. Là où il y a tout le temps de simplicité, il y a de facilité, où on trouve simplement quand on a et puis ça tombe, effectivement, ainsi. C'est ça l'homme et les diables le sait. Mais Dieu sait qu'effectivement que nous avons besoin de pouvoir arriver à pouvoir avoir la nature, effectivement, qui est celle de Dieu. Et pour pouvoir l'avoir, il faut vraiment passer par le chemin étroit et resserré. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire étroit et resserré, parce que quand c'est étroit, on dit encore étroit, non? Et puis on dit resserré pour y passer. Il faut être courageux. Ouais, il faut être courageux, parce que si tu n'es pas courageux pour pouvoir entrer là-dedans, parce que d'abord quand tu entres c'est étroit et puis resserré et tu dois continuer à pouvoir avancer, vous savez, imaginez un mur qui est tellement serré quand vous avez des blessures, hein. Donc tu dis mais c'est encore resserré, ça devient difficile, mais il faut être persévérant. C'est pour ça que la persévérance est quelque chose qui est tellement important, puisque la parole de Dieu nous l'a dit, et même nous le montre effectivement qu'avant que nous puissions obtenir la promesse, nous avons besoin de la persévérance. Ce qui veut dire que, et si nous regardons la Sainte Écriture, ce qui veut dire que c'est tellement si important que même le Seigneur, c'est le Seigneur qui nous l'a montré dans le livre de Matthieu, pour vous juste jeter un coup d'œil là-dessus, regardez très bien pour que nous puissions voir. Matthieu, chapitre 24, je vais le lire rapidement, il dit ceci. J'ai dit ceci, je crois que c'est Matthieu 24, il est dit, juste lire, c'est Matthieu 24, il dit ici, verset 13, il dit, Matthieu 24, 13, il dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... » Vous voyez qu'il faut de la persévérance. Ce qui veut dire que si on nous demande la persévérance, c'est que ça ne sera pas facile. Ce ne sera pas sur un tapis de rose, sur un fauteuil de velours, on va aller au ciel, non, effectivement. Parce que ceux qui nous ont précédés, ils y ont eu à pouvoir reverser aussi leur sang. Effectivement, les martyrs, tous ceux qui ont eu à pouvoir réellement aussi aimer les seigneurs. Il a dit, le Seigneur l'a dit, effectivement, qu'il a dit que le monde vous aimera. Il dit, bon, le monde vous haïra parce que, à cause de mon nom, vous serez haïs de toutes les nations. Donc, on doit être armé de cela aussi. Dans les Saintes Écritures, je voudrais lire avec vous une écriture ici, dans Jean, nous avons lu cela, juste lire et puis nous allons prier aussi. Jean chapitre 7, et nous lisons à partir du verset... voilà. Voilà, on peut lire verset 33. Hein. Jean 7, verset 33, il dit, « Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux, « Mais où ira-t-il que nous ne le trouvions pas ?» Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs ou enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez venir où je serai. Les derniers jours donc, les grands jours de la fête, Jésus s'étenait donc debout et il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons vraiment te dire encore merci ce soir pour cette grâce et cette bonté que tu ne cesses de pouvoir nous témoigner. Nous sommes heureux de pouvoir avoir un Dieu et un Père comme toi, un Sauveur et un Maître, un Conducteur aussi. Sois exalté et sois béni pour cela. Merci encore pour cette parole, Père, que nous avons lue et que nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est quand même extraordinairement merveilleux de pouvoir avoir une personne comme cela. Et surtout si nos yeux sont ouverts pour que nous puissions reconnaître effectivement notre visitation et aussi notre jour, en fait. Vous voyez, je pense que
Ce qui fait défaut pour beaucoup, effectivement, c'est que ils n'arrivent pas à pouvoir réellement réaliser ce qui se passe effectivement dans leur temps et ce que Dieu fait effectivement. Les gens sont au courant effectivement des, vous savez, de l'évolution des choses effectivement, c'est-à-dire que les changements technologiques de ceci et de cela, vous savez, par exemple, bon, ben, à l'époque on avait des grands téléphones et puis maintenant on a des téléphones qui sont des smartphones, des petits, des moyens, et puis à l'époque on nous parlait qu'effectivement que bon, les gens pouvaient arriver à pouvoir se voir comme ça par là, puis nous y sommes, ainsi de suite effectivement, et puis tout ça, donc on est émerveillé, on reconnaît effectivement les temps effectivement en voyant toutes ces modifications, toutes ces évolutions effectivement technologiques et matérielles effectivement aussi, tu vois, dans le domaine de l'automobile effectivement, mais l'homme ne reconnaît pas effectivement ce que Dieu fait dans son temps. Ça, c'est parce que l'homme ne s'intéresse simplement qu'à ce qui l'entoure et dans le milieu dans lequel il se trouve. Nous sommes préoccupés par, voyez-vous, par exemple, aujourd'hui, hein, l'être humain est vraiment préoccupé, c'est un mouvement dans le monde entier, le climat. Dans tous les domaines, maintenant, on fait tout ce qu'on peut faire. Réduction de ces signes pour les COD, les cartons écologiques, en fait, l'écologie. Hein, vous comprenez ça? Donc on est rentrés tous dans ce mouvement d'une certaine manière. En fait, c'est le ton, en fait, que le monde donne et tout être humain est emporté par cela, parce que vous voyez, les médias, ainsi, effectivement, aussi. Mais en fait, l'homme ne se pose pas la question exactement est-ce que Dieu existe et qu'est-ce qui se passe, effectivement, aussi, dans le programme de Dieu. Or, tout ce que nous voyons et que vous vivez dans ce monde ici, ça, c'est l'incidence, effectivement, de ce que Dieu a décidé. Si, je donne un exemple. Dans l'automobile, par exemple, vous avez commencé avec les toc-toc, là, avec les manivelles, ainsi de suite. Puis aujourd'hui, vous ne pouvez même pas couler avec manivelles. En plus, vous avez passé maintenant des moteurs thermiques aux moteurs électriques. Donc les voitures sont affinées, même les formes électriques sont affinées, tout ça. Vous le voyez, en fait, que tu peux même plus revenir à vouloir revenir en arrière. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Mais on va vers la perfection des choses. Est-ce que vous voyez, frère et sœur? C'est-à-dire qu'effectivement, que c'est en fait ce que Dieu a décidé dans son domaine spirituel, parce que nous, ici, nous tendons vers la perfection. En fait. L'achèvement, en fait. C'est pour ça que vous voyez que l'homme fait ce qu'il a à pouvoir faire, effectivement, aussi, hein, dans ce qu'il fait, effectivement. Et puis, il arrive à une technologie. Et qu'est-ce qu'il cherche maintenant à pouvoir faire que l'homme devienne presque comme un robot? Mais si maintenant il atteint effectivement ce qu'il fait comme l'homme, comme le robot, qu'est-ce qu'il va encore faire? C'est-à-dire qu'il a atteint la limite. Parce que dans les années, où 30, je sais pas moi, on ne pouvait pas parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous essayez de voir comprendre. Ces hommes-là aussi, dans leur temps, ils vivaient effectivement quelque chose tout à fait exceptionnel, qu'ils le regardaient, qu'ils ne pouvaient pas arriver à pouvoir comprendre effectivement aussi. Mais en fait, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas bien regardé le programme de Dieu, effectivement, pour reconnaître quel était le temps dans lequel ils se trouvaient. Ce qui est triste, et c'est si, et c'est aussi pareil aussi à nous aussi, comment. Ces hommes-là, ce peuple-là, ils n'étaient pas laissés sans Dieu, en fait. D'abord, les pays dans lesquels ils se trouvaient, c'était donc le pays de la promesse, c'était donc Israël. Ils étaient là, et Dieu les a gardés dans ces territoires-là. Je vous l'ai dit, effectivement, si Israël existe, vous devez savoir d'abord comment ça a commencé. Dieu appelait un homme du nom d'Abraham. Il lui a parlé, il lui a fait la promesse.
Et c'est Dieu-là qui a dit à Abraham, je donne cette postérité, cette territoire à ta postérité. Vous vous souvenez, il a fait la promesse. Et puis il lui a dit ce qui allait se passer effectivement aussi. Puis les temps sont passés, donc le peuple est allé en esclavage, effectivement. Vous savez comment c'est passé avant qu'il passe en Jordan. Jacob, vous vous souvenez? Parce que c'est de Jacob qui est devenu le nom d'Israël. Il a dit bien, hein, j'ai aimé Jacob, mais j'ai eu de la haine pour Esaü. La Bible nous fait comprendre qu'effectivement, que avant même que les deux enfants qui sont nés de même père, même mère, ne puissent faire ni bien ni mal. Est-ce que vous me suivez très bien? Dieu a fait donc son choix. Dans les ventres de leur mère, combat commencé déjà. Et quand ils sont sortis, effectivement, ils allaient sortir, il y avait l'autre qui les tenait sur les talons, montrant des gens sa nature. Mais c'était la volonté de Dieu, en fait. C'est pour ça que nous regardons, comme l'Écriture le dit, qu'avant même que toi, tu sois formé dans les seins de ta mère, il a dit ça à Jérémie, n'est-ce pas? Je te connaissais. Donc, il faut que nous soyons conscients que Dieu, notre Seigneur, nous a connus avant même. Avant même. Et ça, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. La preuve, que Dieu te bénisse, la preuve, c'est que c'est le fait que tu sois assis et crier Amen à cette parole de Dieu. Mais bien sûr que oui. Autrement, il ne faut pas t'asseoir ici, ce serait comme tout le monde à la rue à l'extérieur. Ça, tu dois être reconnaissant à Dieu. Réalisant la grâce et l'amour de Dieu. C'est pour ça, ne prends jamais des airs comme si tu étais tellement important. Non, 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 mon frère, ma soeur. Tout n'est que grâce à la part du Seigneur. Parce que nous étions tous de leur nombre, en fait, comme la Bible dit. Tous des enfants de colère, destinés à la perdition. Mais que Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, c'est ça, mon frère et ma sœur, à laquelle nous pouvons arriver à pouvoir. C'est une raison où on peut louer Dieu dans toutes les circonstances. Parce qu'il nous a choisis, élus, mis à part. Pas pour que nous vivions comme nous voulons, non. Parce que même si toi tu le veux, que tu veux vivre comme toi tu le veux, tu n'arriveras pas. Amen. Parce que la Bible dit que les œuvres qu'il a préparées d'avance Amen. Pour que nous les pratiquions pour son peuple. Vous voyez, frères et sœurs, il y a de quoi lui dire tous les jours à genoux, merci. Merci pour les choix que tu as donc posés. Ouais. Sans dépendre des œuvres. Il a dit, Romains 8, vous savez, non, 9 aussi, j'ai aimé Jacob, mais j'ai eu de la haine pour... Et quand Dieu aime quelqu'un, et ça, je crois qu'il a 100% raison, et il le démontre même, parce que quand il a parlé de ces deux-là, Jacob et Esaü, on a pu voir que quand ils sont nés, Esaü, sa façon de pouvoir faire les choses et vivre par rapport à Jacob, c'était tout à fait différent. Esaü était intéressé par le monde. Mais Jacob, il avait un objectif précis, il avait effectivement dans son cœur, c'était le droit de naître. Qu'Esaü méprisait et ne considérait pas vraiment, alors qu'il avait... Ah, j'aime Dieu. Dieu est juste. Hein? Dieu est vraiment, vraiment, vraiment juste. Non, il est vraiment, vraiment juste et de juste et de juste et de juste. Alléluia. Même s'il a dit que j'ai aimé Jacob, il a donné la possibilité à Esaü d'obtenir aussi la bénédiction. Parce qu'il lui a donné le droit de naître, mon frère et ma soeur. Avec ça, il avait tout. Dieu ne lui a pas enlevé. Parce qu'on peut dire, il est injuste. Non, mais il ne lui a pas enlevé. Mais il nous a laissé observer. Non, il est vraiment bon. Et bien, c'est que Jacob,
Et observant, lui, il était intéressé parce que, par révélation, il comprenait l'importance du droit de naissance. Non, cet enfant était spécial. Étant le petit frère, il guettait quelque chose que lui, il avait, c'était les droits de naissance. Il fallait que, quand même que quelque part, Dieu lui ait révélé l'importance d'avoir les droits de naissance. Parce qu'humainement parlant, nous sommes des humains. Est-ce que tu vas t'intéresser vraiment, tu vois, c'est ton grand frère, mais je ne pourrais jamais être mon grand frère. Ah ben oui, c'est ce que, il est né avant moi. Non, c'est normal que tu qu'il est ce qu'il est. Mais que tu penses que je peux avoir ce qu'il a. Il faut que ça soit Dieu quand même. Voilà pourquoi il est vraiment important d'être toujours spirituel. Oui, frères et sœurs. Et quand on est spirituel, alors nous pouvons avoir des choses que même la manière humaine ne peut même pas y voir. Parce qu'il dit, mais c'est parce que pourquoi? Parce que Dieu te montre les choses. C'est la vérité. Dieu te montre des choses. Vous dites, mais c'est vrai, mon frère et ma soeur, parce que nous allons retrouver Jacob et Esaü, mais parce qu'il y a eu Joseph avec ses frères. C'était un homme qui était spirituel. Alors Dieu lui montrait effectivement des choses qui étaient tout à fait différentes, effectivement, c'est choses que les autres ne pouvaient pas arriver à pouvoir voir. Vous vous souvenez, non? Et puis vous voyez, avec une perfection extraordinaire, comment Dieu a conduit à ce que ceux-là qui ne voyaient pas accomplissent ce que Dieu voulait. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ses frères qui l'ont vendu. Mais il avait déjà vu qu'il était là et toutes les bottes qui étaient là s'inclinaient devant lui. Donc si toutes ces bottes-là s'inclinaient devant lui, il n'allait pas arriver à pouvoir les tuer. Ils avaient projeté de pouvoir les tuer. Ah ben oui, parce que vous connaissez l'histoire, mon seul frère. Alors, disons, donc l'homme spirituel, c'est pour ça qu'il nous est nécessaire de pouvoir être spirituel. Et ça, c'est aussi la grâce de Dieu, de pouvoir être spirituel. Vous voyez que toute chose vient de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu travaille en vous et avec vous, vous avez quelque chose qui est vraiment important que vous manifestez chaque fois. C'est l'humilité, en fait. Quand votre cœur monte, c'est que Dieu n'est plus là. Oui. Mais quand vous grandissez spirituellement, vous vous abaissez davantage. C'est pour ça que les gens vous trouvent effectivement. Mais non. En fait, ils ne voient pas, en fait, parce que ce qui est grand et vraiment spirituel, ça descend toujours. Il nous a dit, comme dans les Saintes Écritures, il ne s'est point arraché d'être égal à Dieu. N'est-ce pas vrai? Et puis, il dit aussi, il s'est levé devant nous comme une faible plante. Nous pouvons les lire, hein? Ésaïe 53. C'est merveilleux de pouvoir. Puis nous revenons avec notre Joseph, Esaïe, puis dans ce que nous avons lu aussi rapidement. Nous avons le temps de lire. Et voilà. Verset 53, Esaïe 53, verset 1 dit : qui a donc cru à ce qui nous a été annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est vrai cela. Et pourtant, quand nous regardons, frères et sœurs, dans les champs, dans la nature, la beauté. Je crois que c'est un cantique qui dit, quand je vois la beauté du soleil, affiné, merci. Donc, vous voyez, mon frère et ma soeur, la beauté de fleurs, la nature entière, effectivement. Mais c'est si vraiment Dieu devait se donner de pouvoir être. Mais c'est. Ah oui. Donc, ce serait le superlatif.
Mais quand il est venu sur la terre, parce que il nous a été dit, et le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Lui-même vous donnera un signe. Voici donc la Vierge concevra et enfantera. Et puis on lui donnera du nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Dieu avec nous. Et c'est celui-là dont l'Écriture nous fait savoir qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous voyez comment il est descendu tellement si bas, qu'il est comme un jeton qui sort d'une terre desséchée. Méprisé, par des maisons, il dit, mais pour lui-même, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a. Dans cette humilité-là, vous le crachez dessus, mais il portait tes souffrances à toi. Il n'a rien revendiqué, effectivement. Tu le frappais, mais c'est pour toi qu'il est venu. Le coup que tu fais tomber sur lui, mais c'est en fait, ça devait tomber sur toi. Donc il le prend, il le reçoit. Vous voyez, mon frère et ma soeur, effectivement, ce qu'il en est, effectivement, pour nous. C'est pour ça que les Saintes Écritures montrent le caractéristique, en fait, d'un véritable enfant de Dieu. L'orgueil est la chose la plus mauvaise. Parce que d'abord, et vous vous souvenez, nous en avons parlé, effectivement, je crois que bon sang, il y a longtemps, c'est, chérubin ici, il mettait les sons à la perfection. Mais quand il était crié, mais il était le plus beau, il était avec des pierres étincelantes, regardez, c'est dans Ézéchiel. Oui, c'est vrai. Oh là là. Il avait une autorité, et puis bon, c'était vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'iniquité s'est trouvée en lui. C'était quoi ici? C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est la chose la plus terrible. Et pour un homme, effectivement, qui va te faire tomber, en fait. Et qui te rapproche davantage, en fait, de l'enfer et des démons, l'orgueil. C'est sûr et certain. Il faut que vous fassiez attention à cela. Parce que lorsqu'on commence à pouvoir se croire, effectivement, qu'on devient tellement si important, c'est à ce moment-là que tu sais que le diable a pris tellement de la place en toi. Bien sûr que oui, mon frère. Et quand vous vous mettez à genoux, priez, Seigneur, délivre-moi de l'orgueil. Parce que c'est la porte ouverte pour Satan. Que Dieu te donne cette nature qui est vraiment un fils de Dieu. Et c'est comme cela qu'effectivement, vous savez, lorsqu'on arrive à ce stade-là, à ce point-là, à vous dominer. Bien sûr, parce que c'est lui qui s'abaisse, effectivement. Il ne cherche pas les choses qui sont tellement les élevées. Il ne s'occupe que simplement des choses qui sont. Il s'occupe de ses dieux. Et Dieu s'occupe de lui, effectivement, aussi. Eh bien, c'était pas. Jacob n'était pas quelqu'un qui était un expert dans. Esaïe, oui. Elle est à la chasse, effectivement. Et puis, il venait, et puis bon, son papa l'aimait bien. Mais Jacob était toujours là. Toujours dans les robes de sa mère. Je sais qu'il y a des trucs qui est écrit. Toujours accroché à sa maman. L'autre là, accroché à son père. Oh, si vous savez! C'est que c'était la maman qui avait eu, en fait, la révélation de la chose. Et papa, lui, il n'en avait pas. Mais la maman, lui, quand il a eu un problème, il est allé consulter l'Éternel. Il dit, Seigneur, c'est ça ce que nos sœurs doivent apprendre à pouvoir faire. Vous voyez combien Dieu peut vous utiliser. Ne négligez pas cela parce que parfois on dit, ah non, nous ne voyons rien. Mais non, quand on regarde dans les Saintes Écritures, c'est bien des sœurs qui, à bravoure, ils avaient cette force, effectivement, ils n'avaient pas peur de ce qui pouvait arriver, effectivement, ce jour-là, au grand matin, la tombe, parce qu'il y avait les gardes là-bas, on pouvait les couper la tête. Mais ils ont bravé cela parce qu'à cause de l'amour qu'ils avaient pour lui, ils sont allés là-bas, les frères sont restés enfermés, ils avaient peur. Bien sûr que c'est vrai. Non, c'est la vérité. Hein.
Les frères avaient peur, effectivement. Que Dieu bénisse les sœurs. Vous n'avez jamais remarqué, frères et sœurs, qu'il ne l'appuie pas de toutes les assemblées. Les grands nombres, c'est toujours les sœurs. Et les frères qui sont en petit nombre, ils veulent toujours être des prédicateurs. C'est ça le problème. C'est toujours été ça le problème. C'est rare de trouver un frère qui est vraiment simple, vraiment petit, qui s'assied là et qui arrive même à pouvoir dire « je vais quand même torchonner ». Ah. Qui prenne même un aspirateur pour aspirer. Ah. Mais ils ne se rendent pas compte, c'est une grande bénédiction. Et 100% vrai. C'est d'ailleurs une joie de pouvoir essuyer et nettoyer. Bien sûr que oui. Et ce que vous considérez que c'est la plus basse partie, effectivement, ce que Dieu considère comme étant des importantes aussi, d'une certaine manière ou d'une autre. Étant fil. Alors, voyons que la maman était donc au courant de ce qu'il en est. C'est pour ça que. Elle regardait. Cette maman, parce qu'il avait donc l'esprit de Dieu qui résistait, il n'avait pas la haine pour son fils, parce que quand même, Esaü, c'est son fils. Vous voyez ça? Ça veut dire que quand il s'agit des choses de Dieu, vous privilégiez toujours ce qui concerne Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Oh, que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Vous voyez, en fait, vous avez l'amour pour tous, mais ce qui prime, c'est ce qui est à Dieu. Quand ceci est à Dieu, c'est ce qui prime, en fait. Et c'est ce que Dieu a eu à pouvoir aussi faire aussi, hein, Abraham avec Keturah, donc. Vous vous souvenez? Il a eu aussi un enfant. Mais Isaac, c'était la promesse. Les fils de la promesse, effectivement. Alors, lorsque il y a eu problématique, effectivement, et à un moment d'Ismaël, je ne sais pas comment ça va. Et Ismaël commençait à pouvoir avoir des problèmes, effectivement, aussi elle, patati patata aussi avec à l'endroit de Sarah, vous connaissez, non? Abraham était dans un état un peu problématique parce que ben, c'est quand même, ils ont mes deux femmes avec les enfants. Et puis, il y en a que je dois faire. Et puis, Sarah qui dit, en tout cas, c'est fini, il faut que ça parte. Eh bien, oui. Parce que c'est avant, tu as commencé à exagérer parce que maintenant, elle se prend que. Et c'est venu dire, Abraham, je veux que ça doit partir. Ah ben, calcul, hein. Ici, c'est Isaac, et puis là-bas, c'est Ismaël, et puis bon, ce sont les miens, les deux, là. Vous connaissez comment Ismaël est venu au monde, hein? Et puis, Sarah, elle dit, non, c'est terminé, maintenant, c'est fini. Et Abraham, dans la géographie, dans le calcul, maintenant, il m'a dit, et c'est là que Dieu vient. Il dit, Abraham, Abraham, écoute la voix de Sarah. Chasse l'esclave avec son enfant. Oui, il faut lire la Bible. Oh, Dieu d'Abraham. Extraordinaire. Eh bien, chasse. Et puis, Abraham ne sait pas, on appelle mes pleurs, mais c'est une. Non, l'idée. Agar, prends ton bagage et tous les clics et claques avec ton fils et allez-vous-en. Est-ce que vous comprenez? C'était parce que Isaac ne pouvait pas hériter avec Ismaël. Dieu avait raison. Hein. Vous voyez aujourd'hui, qui met les ceintures, qui est toujours gentil, qui envoie des papiers, écratez-vous, et qui met les boucliers. Vous comprenez bien. Est-ce que vous me suivez? Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez saisi? Eh oui, Dieu a toujours raison. Parce que pas possible. Parce que celui-ci est né selon la promesse, donc selon la parole de Dieu. Celui-là, selon la chair, les deux ensemble. Même la nature aujourd'hui le montre.
Donc Dieu a toujours raison. Que Dieu nous instruise. Amen. Pour que nous puissions toujours prendre effectivement le meilleur. Parce que Dieu veut que nous soyons toujours excellents, meilleurs dans les choses qui nous concernent, effectivement. Vous voyez, toujours, il nous a dit, hein, lorsque nous choisissons effectivement sa part, nous revenons avec Jacob ici, les temps, lorsque nous choisissons toujours la part de Dieu, nous serons toujours excellents. Vous croyez? Il l'a dit, Deutéronome 28. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, toi, quand tu obéis, tu seras toujours. Et voilà! Quand l'ennemi viendra contre lui, il s'enfuira par cette chemin. Vous connaissez, non? Donc, t'as qu'on obéit, t'as eu, c'est tout cela, c'est rond. Les fruits de l'entraille aussi, c'est rond. Et voilà! Toujours la tête, jamais la queue. Toujours quand on. Bien sûr. Nous avons tellement, c'est tellement merveilleux les choses de Dieu qui nous les donne comme ça que nous puissions comprendre. Et aussi longtemps que nous resterons avec lui, tout ira tellement. Vous vous souvenez de la tsunamite? Aussi longtemps que je sais que la parole est là, l'homme de Dieu est là, tout va. Si Dieu n'est pas là, alors tout va mal. Mais si Dieu est là, tout va bien. Même si les bobos viennent par ici, je boite, je dis le lendemain, je marcherai bien. Tout va bien. Et puis nous pourrons nous crier aussi que qui nous séparera donc de l'amour de Dieu? Nous aimons cela, non? Serait-ce la tribulation, l'angoisse et l'amour concerné? Nous voulons lire d'abord. Romains 8. Ah, c'est beau, non? Ah, et Romains chapitre 8, ah, nous lisons cela. Hein, c'est ça, c'est comme Romains chapitre 8. Voilà. Ah, voilà. Voilà, c'est ainsi. Et nous disons cela, c'est ça. Nous pouvons lire. Ah. Verset 31. Ah. Verset 28. C'est beau, n'est-ce pas? Voilà. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon. Voilà, nous y sommes. Amen. Non, nous ne sommes pas appelés nous-mêmes, mais c'est lui qui nous a appelés. On a dit, sortez du milieu de mon peuple. Entendu. Il dit, mais car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est ça, non? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous comprenez, prédestinés. Ah, ah. Donc toi, tu ne dois pas échouer. C'est pour ça qu'on dit que toute arme forgée contre toi sera donc sans. Ça, c'est 100% vrai. C'est pour ça que quand tu marches, chante simplement. Frère, tu as environné la grâce de Dieu, ma soeur. Même quand tu as des problèmes là, que tu as ton corps, tu pleures là, Dieu est là. Parce qu'il y a bien dit qu'il avait celui dont l'esprit et l'âme contrit et brisé. Il est là. Il te regarde simplement. Ne touche pas à mes voix. Il veille comme un grand aigle. Il dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça veut dire que si aujourd'hui quelqu'un te pointe du doigt, oui, tu vois, il était comme ça, oui, il était comme ça, oui, il a fait, oui, hier c'était. Hier j'ai fait. Mais aujourd'hui, je ne suis plus la même personne.
Il dit que quand on n'est plus la même personne, il dit tous nos péchés et tout ça et ce que nous étions, Dieu ne le voit plus. Amen. J'étais donc dans la mer de l'oubli. C'est pour ça que sur le chemin que toi tu te trouves, en fait, notre adversaire qui rentre, il est vraiment malin, mauvais, méchant. Il veut toujours te rappeler ton péché à toi. Parce qu'il veut te tenir là-dessus. Et si toi, tu tombes dans son piège, que tu commences maintenant à ruminer sur ce péché-là, alors c'est à ce moment-là que c'est terminé, parce que tu rappelles au Seigneur, j'ai dit, voici mon péché encore. Or, tu l'avais confessé. Et que Dieu t'a pardonné. Ah oui, il faut toujours, parce que le diable viendra, est-ce que tu es sûr que Dieu t'a pardonné? Vous vous souvenez? Quand le diable est venu tenter le Seigneur, il est venu avec l'écriture, mais mal interprétée. Mais qu'est-ce que le Seigneur a pouvoir faire? Il lui a dit, il est écrit. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr que oui. Il faut que toi, pour pouvoir vaincre Satan, il faut l'écriture. C'est pour ça qu'il nous a dit qu'il est temps. Médite ma parole jour et nuit. C'est important pour toi et pour moi. Oui, bien sûr, parce que les diables connaissent l'écriture, mais dans le mauvais sens. Parce que l'écriture te dit qu'il les a jetés dans la mer de l'oubli. Alors comment veux-tu encore me rappeler? Puisque Dieu a dit, c'est la Bible qui te dit. C'est comme ça qu'on dit résister à Satan d'une foi ferme. Foi ferme dans les saintes écritures, tu connais la parole et tu la mets devant. Il va fuir. C'est la parole qui l'a vaincu. Bien sûr que oui. C'est cette parole qui a vaincu les diables. Donc, alors, quand on dit justifié, vous le savez déjà. Alors, vous le savez, non? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si les diables sortent et se redressent contre toi, mon frère, contre toi, ma soeur, parce qu'on nous dit bien que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment, ton problème à toi, c'est d'aimer. Aimer, aimer. Aimer Dieu de tout ton cœur. Vivre avec lui. Le reste, frère et soeur, ne t'en soucie plus. Qu'il pleuve dans ta vie, qu'il neige et qu'il y ait des choses comme ça, des ponceaux sur la route. Toi, t'occupe pas. Toi-même, quand tu marches, ça pique un peu, mais toi, tu dis, je t'aime, mon Seigneur. Je marche effectivement pour toi. Oh, vous savez, c'est la puissance, mon frère et ma soeur. Oui. Oui, 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 oui. Chaque jour de ma vie. Je vais dire, oh Seigneur, apprends-moi, je te prie, à me donner tout mon cœur. Apprends-moi, je te prie, à tes dos. Tout mon cœur, mon désir, cher Seigneur, et de marcher avec toi. Vous marchez avec quelqu'un que vous aimez, non? Oui. Chaque jour, en toutes les circonstances. Sans me dire, mais. On s'est dit, mais si Dieu est pour nous, qui sera donc encore? Maintenant, voyons la suite de l'Écriture. Il nous dit donc, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors, qu'est-ce qui peut te manquer?
Ah, c'est pourquoi il dit que c'est lui qui a soif qu'il vienne. Tout ce que nous demanderons en priant, peu importe le temps que ça peut prendre, que jamais il y ait ne fût-ce qu'une moindre parcelle de doute. Ce n'est pas nécessaire de douter. Parce que d'abord, je vais vous le dire, frères et sœurs, d'abord, il a prouvé qu'il est majestueux. Il a prouvé qu'il a la capacité d'accomplir. Nos frères qui nous ont précédés, ils ont prié dans le moment difficile, Dieu a répondu. Même pour les maladies, Dieu a guéri. Même pour les morts, Dieu a ressuscité. Mon frère et ma sœur, où pourras-tu dire que Dieu est incapable? Parce qu'il a prouvé. Donc le doute, c'est ta faiblesse à toi. C'est une relation que tu as avec les démons, effectivement, si, effectivement. Mais pour avoir la victoire, c'est de garder effectivement la confiance en ces dieux parce qu'il te l'a prouvé. Pourquoi pensez-vous que, effectivement, que Bartimée a crié après lui? Pourquoi pensez-vous que la femme au père de sang a eu à pouvoir dire c'est plus justement pour le vêtement? Pourquoi pensez-vous cela? Comment? C'est que vous devez savoir. Que toutes ces personnes-là qui nous... Vous savez, les témoignages sont tellement si grands. Ces gens-là, quand ils... C'était des êtres humains comme vous et moi. Vous savez, ce qui est très touchant aussi, c'est ce que le Seigneur a dit aussi. Je n'ai pas trouvé ni aussi grand foi en Israël, parce que c'était un centenier romain, je pense, quelque chose de dit. Mais je ne suis pas digne. Quand même, il faut que quelque part, tu atteignes quelque part. Et toi, tu viens même à ma maison. Oh, tu as sacré, mais Seigneur, viens prier. Il dit, non, ne viens même pas, parce que moi, je ne suis pas dit que tu vas, mais dis simplement un seul mot. Un homme qui venait d'une contrée païenne. Et toi et moi qui avons vu la preuve de ces dieux à plusieurs reprises, et qui sont même des croyants, comment peux-tu douter, ne fût-ce qu'un petit peu? Si tu n'avais jamais vu, tu n'avais plus jamais entendu, mais tu as eu la grâce, le temps même de voir, de vraiment voir comment Dieu fait, même pas avec le don. Il a fait, il est fait, c'est confirmé. As-tu laissé? L'incrédulité arrête et détruit effectivement l'incrédule lui-même. Mais c'est question de Dieu, on va vite lire. Nous avons ici. Jacob et Esaü un peu plus loin. Bon, nous n'avons pas terminé, nous allons continuer vite rapidement. Vous prenez un truc de temps. Merci. Allez, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ah. Maintenant, verset 33, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Donc, ce que Dieu s'est choisi lui-même. Ceux-là qu'il a prédestinés. Qui accusera les élus de Dieu? C'est merveilleux, ça, c'est bon de pouvoir penser, s'asseoir un peu et réfléchir et méditer là-dessus. Parce qu'il y aura toujours des accusateurs. Il y en aura toujours, effectivement, et qui vont toujours trouver quelque chose. Mais on leur pose la question d'abord, mais qui accusera les élus de Dieu? On dit bien les élus de Dieu. Donc si Dieu les a élus, c'est que Dieu le connaissait d'avance. Et puis, ce qui est encore merveilleux, extraordinaire, c'est que, regardez très bien, hein, il dit, c'est Dieu qui justifie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc le Dieu qui est choisi, c'est le Dieu qui justifie la personne. Même si moi aujourd'hui je condamne la personne. Il dit oui, elle est mauvaise, elle est ceci, elle est cela. Dieu lui justifie la personne. Ma condamnation à l'endroit de la personne ne sert à rien. J'ai beau avoir eu, il est mauvais, je n'en veux pas. Mais Dieu dit pour moi, il est bon. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Il faut être dans la position où Dieu veut que tu sois. Alors, nous comprenons ce que c'est. Alors, il dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. C'est merveilleux ça. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite? Et il intercède pour tous. Donc, toutes les accusations qu'on va porter contre toi, tu as quelqu'un qui est ton avocat. C'est pour ça, c'est Jésus que tu es censé pouvoir aimer. Glorifié dans ta propre vie, effectivement aussi, il est un avocat, c'est écrit. Hein? Nous avons un avocat auprès du Père, donc c'est écrit. C'est lui qui intercède pour toi, en fait. Cette fois, les justes tombent. Cette fois, le Seigneur le relève. Parce que les justes ne cherchent pas à tomber. Amen, amen. Mais ça peut arriver. Amen. C'est pour ça que Dieu est compatissant. Amen. On ne planifie pas la chose. Amen. Mais tout au long du chemin, ça peut arriver. Alors quand ça lui arrive, il ne reste pas dedans. Non, il commence à pleurer. Seigneur, aie pitié. Seigneur, tu ne voulais pas. Seigneur, souviens-toi de moi. Alors la main vient. C'est pour ça que Dieu nous a accordé la garde d'avoir la repentance, mon frère. Ne sois jamais dur, tu penses, non. Quand tu es tombé, répands-toi. Amen. Sincèrement, de son cœur, effectivement. Et Dieu nous donne cela. Alors il dit, verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Et c'est celui-là qui intercède pour nous. Ah ben oui, donc il nous aime tellement qu'il... Et chaque fois qu'il y a une situation qu'on veut être accusé, lui, il intercède. C'est-à-dire que cet amour, il nous aime parce qu'il a même donné sa vie pour nous. Est-ce que vous voyez tout ce que lui, il a fait? Il s'est donné pour toi. Maintenant, il est monté et il est là en train d'intercéder pour toi. Parce que nous l'avons vu dans le livre d'Apocalypse, non? Notre accusateur, les diables, il est encore là. D'où viens-tu? Oh, de me promener sur la terre. Vous vous souvenez? Amen. Oui, c'est ça, mon frère. Vous savez. Il fait des tours, alors. Est-ce que vous comprenez? Ah, que Dieu nous aide, en fait. Alors, vous voyez que là, dans Bruxelles, on l'a donc précipité. On va essayer, ta place n'est plus ici, effectivement. Parce que c'est lui qui a accusé nos frères Joura. Eh bien, voilà, il était là, c'est son propre, son travail, c'est d'accuser. Et tu vois, il a fait. Maintenant, il a fait. Et tu ne peux pas faire. Il a fait. Et puis lui, le Seigneur vient avec le sang. Alléluia. Amen. Je payais pour lui. Amen. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans cet temps béni de grâce. Il présente le sang. Quand le dernier sera rentré. C'est pourquoi ne perdez pas votre temps. Quand le dernier sera rentré, lorsqu'il rentre, il s'élève de son trône d'intercession. C'est pourquoi vous voyez dans Apocalypse chapitre 8, effectivement, qu'il y a les éclairs, les trônes, effectivement, et nous aurons le temps de pouvoir les lire, bien sûr. Parce que son temps d'intercession est terminé. C'est à ce moment-là que les jugements tombent. Quand il s'est levé, c'est fini à ce moment. Plus d'intercession. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbes que c'est lui qui suit, s'essuie encore. Bien sûr que oui. Bon, je vous prends un peu de temps. Je termine. Hein? Et dis donc, qui nous séparera l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Chaque enfant de Dieu va passer par toutes ces situations, effectivement, aussi. Le Seigneur l'a dit, non? Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Mais ne craignez pas. Mais il a dit quand même, vous aurez des tribulations. Donc il faut que nous passions par cela, effectivement.
Vous serez haïs. Répétez le bonheur. Je vous préserve qu'on ne puisse pas vous haïr. Non, 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 non. Vous serez haïs. Donc la haine va venir quand même à notre endroit. À cause de l'évangile. Mais qu'allez-vous faire? Vous voyez, le cri qui est retenti effectivement dans le cœur des élus, en fait. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est ce qu'on fait. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il faut que toi qui es élu de Dieu, que ce qu'il a retentisse en toi, que peu importe les difficultés par lesquelles je passe, je ne regarde pas cela, mais dans toutes ces choses-là, par lesquelles je passe, la souffrance que je passe, effectivement, oh, je suis plus que vainqueur. Je ne peux pas céder à cause des souffrances que j'ai. Abandonner l'évangile, effectivement, non. S'il faut mourir pour la cause de l'évangile, j'accepterai. Amen. Arriver à ce point-là, il faut être un fils, mon frère. C'est ça l'évangile qui te fait vivre, effectivement. Quand tu sors, effectivement, ne sois pas différent de ce que tu viens de recevoir. C'est absolument important, ma soeur et mon frère. Parce que les tribulations et les difficultés, tu vas les avoir. Le grand problème, c'est la réaction que tu as devant les tribulations, les difficultés, les angoisses, les péril, et tout ça, effectivement. Dire, oh Seigneur, parce que oh, mais si tu étais des dieux, tu ne peux pas arriver comme ça. Mais ça doit arriver pour témoigner que tu es des dieux. Parce que c'est dans cela, effectivement, qu'on va voir ta foi, toi. C'est toi-même qui te disqualifie, parce que Dieu ne disqualifie personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, avec. Oui, Esaü et Jacob. Dieu reste toujours Dieu juste. Il a donné à Esaü ce qui lui était comme droit aussi, la bénédiction d'être effectivement, parce que le droit d'aînesse était à lui. Mais maintenant, le bonhomme, effectivement, aussi, le petit qui est né après lui, effectivement, qui tenait les talons. Comme j'ai dit, humainement parlant, aucun homme ne peut dire que moi je vais quand même être l'aîné à la place de celui-là. Non, parce que de toute façon, je suis né petit. Mais ce petit-là, il avait en lui, il dit, je veux être. Parce qu'il était né pour cela. À cause de la. Parce que Dieu a prouvé, c'est que sa parole agit, effectivement. Il dit, mais lui, je l'ai aimé. Celui-là, non. Parce que Dieu connaît ce que vous allez être, effectivement, dans le futur. Les petits sur les robes de maman, effectivement, lui là-bas, papa disait comme papa, il ne voyait pas tellement, enfin, mais la maman savait ce qu'il avait dit, parce que Dieu s'est réveillé à ça. Et voilà qu'un jour, effectivement, il avait tout, effectivement, il ne comptait même pas sur Dieu, mais Jacob compte toujours sur Dieu. Il dit, il y aura un temps, mon Seigneur, je vais avoir ce que je te demande, j'ai confiance en toi, oui, monsieur. Dieu va toujours mettre un temps favorable pour toi. Ah, c'est bon d'avoir ce Jésus. Vous souvenez, je dis toujours ici, l'épreuve aura toujours. N'oubliez jamais cela. Voilà qu'un jour, maintenant, effectivement, si là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc son frère, vous avez le temps. Amen. Son frère et Esaü, effectivement, avec son expérience et tout, et qui vient de Pilate, était là-bas parti, il va travailler, il vivait d'abord une vie, vous pouvez imaginer, parce qu'il allait à. Bon, vous connaissez. Mais Jacob était toujours assis. Il ne courait pas. Voilà. Et voilà qu'Esaü, vous avez compris? Et voilà que ce jour arriva. Ce jour que Jacob était toujours en train de dire, mais Jacob ne fait rien maintenant ici. Il savait, parce que vous vous rendez compte, effectivement, qu'avec maman, qu'est-ce que Jacob faisait? Il apprenait aussi. Hein. On dit, ah, c'était raté. Non, c'était pas raté. Bien sûr.
Ce jour-là, ben, et puis Esaïe vient, boum, et puis bon, les élus, ce jour-là, c'est Dieu a conduit qu'il fasse un beau plat de lentilles. Il sent qu'il avait tellement fait, cet enfant, Dieu avait fait quelque chose d'extraordinaire avec lui. Et oui, là, tout à fait, la famille, Jacob, oui, il dit, oh, j'ai faim, donne-moi ton plat de lentilles. Bon, normalement, tout le temps, chacun de nous dit, mais mon frère a besoin d'un plat de lentilles, je te donne, il n'y a pas pour lui, je ne sais pas. Non, petit, intelligent. Alors là, il dit, voici mon jour. Comment savait-il que c'était son jour? Parce que c'était Dieu. Amen. Il dit, tu veux mon plat de lentilles? Lentilles, vous connaissez lentilles, non? Il vient mon plat de lentilles, il dit, mais oui, j'ai vraiment faim ici, je vais mourir. Il dit, oh. Il dit, voici l'occasion. Eh bien, tu veux mon plat de lentilles? Il dit, mais c'était Dieu qui fait le vin. Il dit, bon, on va faire un marché. Il dit, quoi comme marché? Ah, Jacob dit, un petit qui pouvait passer, c'est extraordinaire parce qu'aucun homme ne peut penser que je peux prendre le droit de quelqu'un, c'est pas possible. Vous voyez, frères et sœurs, ce que c'est qu'être spirituel. Il dit, tu veux mon plat de lentilles? Oh, il est en bas, bon, oui, mais si tu le veux, il dit, mais donne-moi, je vais manger, tu le veux, je le veux. Il dit, mais bon, il n'y a pas de problème, eh ben, vends-moi ton droit d'aînesse. Donc les bénédictions que Dieu t'a données là. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, mon frère? Les bénédictions de Dieu là, parce que la personne ne se rendait pas compte de l'important de ces bénédictions. Parce que pour lui, c'était le monde, ceci, ça. Mais Dieu lui avait donné le droit d'aînesse. Vous voyez la bénédiction de Dieu? Oui. Les petits savaient. Il dit, vends-moi ton droit d'aînesse là. Le bonhomme, il dit, mais ce petit n'est pas intelligent. Tu me demandes de vendre ton droit d'aînesse, effectivement. Il dit, mon droit d'aînesse. Parce qu'il disait, mais bon, de toute façon, comment il va faire? C'est ce qu'il n'a pas réfléchi. C'est terrible. Il dit, tu veux mon droit d'aînesse? Moi, je dis, et puis là, je t'ai dit, c'est ma. Je veux seulement que tu me vendes. Vous avez bien entendu? Vends-moi cela! Il dit, il n'y a pas de problème, tu peux l'avoir. Les feux qu'il a dit, tu peux l'avoir. Jacob a donné tous les plats. Il dit, tu veux les plats? Il dit, le voici, et moi je prends les droits d'aînesse. Depuis ces jours-là, c'était changé dans Jacob, mon frère. Vous ne réalisez pas, frères et sœurs. Vous vendez ce qui est vraiment important à cause des choses. Parce que le diable est tellement rusé, mon frère. Ton temps pour prier Dieu. Il vous a inondé avec des appareils. Mais il est malin, mon frère. Pose-toi la question, mon frère et ma sœur. Combien de temps tu parles avec ton smartphone ? La journée. Que tu montes dans les trains, que tu montes dans ceci, dans cela, tu avais ton smartphone, effectivement. Mais tu oublies que tu es dans un train. L'accident peut arriver. Que Dieu nous aide. Vous ne réalisez pas, frères et sœurs, ce que Satan cherche à retirer de vous, en fait. Et c'était trop tard. C'était trop tard. Quand cet homme-là, il a pour dire, tu peux l'avoir, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que... ce que toi, tu fais sortir de ta bouche. Oui, quand on y pense, ça fait peur. Toi, un papa qui dit, tu ne vois rien du tout. Fais attention. Ton fils ou ton enfant peut finir par devenir un vaurien.
pour ça qu'on nous dit que qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole. Eh oui. Non, nous devons apprendre. Vous savez, quand j'étais en France, lorsque j'étais avec les frères et sœurs là-bas, Jésus, c'était le samedi passé. Est-ce que c'est le samedi passé? Le vendredi passé. J'ai lu une écriture que j'ai lu, ça m'avait fortement touché. C'était quoi? Eh bien, dans Job chapitre 1, je vais terminer. Et ça m'avait touché. Job chapitre 1. Vous voulez qu'on lise un peu? Puis après, nous allons prier. Sinon, nous allons rester pendant des heures ici, hein, avec Jacob et Esaü et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui nous touche. Tout ça nous concerne bien aussi. Alors, Job au chapitre 1. Regardez. Je vais lire cela. Puis on va prier. Ah! Il y avait, verset 1, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il eut naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis et 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Maintenant, écoutez bien, ses fils allaient les uns chez les autres, et donner tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin, et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Vous voyez cet homme ici, il s'élève de bon matin, vraiment très tôt matin, pour prier Dieu et implorer la grâce de Dieu pour ses propres enfants, parce qu'il s'est dit, peut-être ont-ils péché, ont-ils agi mal à l'endroit de Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus, quel homme. Il s'est préoccupé de la relation entre Dieu et ses enfants. Et le prier, il dit, ils ont péché contre toi sans pouvoir se rendre compte dans ce qu'ils faisaient, effectivement. Seigneur, aie pitié, en fait, prends soin et ceci. Donc, ça veut dire que cet homme, il le faisait comme cela chaque moment, chaque jour. Je me suis dit, Seigneur, quelle est la réaction que nous avons, nous, à l'égard de nos enfants? Comment est-ce que nous réagissons, en fait, à cet endroit, lorsque, probablement, les enfants ont eu à pouvoir poser un acte qui n'est pas tellement très bien, d'une certaine manière ou d'une autre? Est-ce que nous entrons, effectivement, dans une colère furieuse où on veut vraiment détruire l'enfant? Où, Seigneur, on prie pour que vraiment cet enfant puisse arriver à trouver vraiment cette relation qui le revienne et qu'on s'adresse, on agit d'une manière. Je ne vais pas dire que vous devez être des papas bonbons, hein. Parce que là, maintenant, ça commence à devoir. Ah, non, non, non. Quand un enfant agit mal, on doit être ferme à l'endroit de l'enfant. Mais on doit prier pour son salut. On doit implorer la grâce de Dieu. Pour cet enfant, effectivement, que ce soit une fille ou un garçon, que Dieu puisse vraiment pardonner, mais que l'enfant soit ramené, effectivement, dans la position dans laquelle Dieu veut. Parce qu'il n'y a aucun parent qui voudrait aller au ciel sans ses enfants.
Parce que vos enfants sont une partie de vous-même. Donc je crois que chaque parent a besoin que lorsqu'il doit partir, qu'il parte avec tout ce que Dieu lui a donné. Les biens, non, mais les enfants. Parce que quand Israël devait sortir de l'Égypte, effectivement, il n'y avait aucun qui devait rester. Moïse a dit, même pas un petit peu. C'est ainsi que nous devons avoir aussi. C'est-à-dire que, je ne sais pas si peut-être difficile à expliquer, mais c'est les sentiments, la disposition du cœur de cet homme. Le beau matin, il se lève. Il commence à prier, il dit, mais peut-être qu'ils ont fait, peut-être qu'ils ont mal agi, Seigneur. J'implore la grâce pour que toi, tu pardonnes. Et je dois faire ce qui est nécessaire pour qu'ils trouvent grâce devant tes yeux, effectivement, et qu'ils puissent arriver à pouvoir aussi bénéficier de cette grâce étonnante. Comme j'ai eu à pouvoir le dire, je pense là-bas ou ici aussi, Dieu a fait en sorte dans les Saintes Écritures que des hommes passent, des croyants passent par des épreuves, pour que ça nous serve aussi des leçons. Et je l'ai dit, quand ces actes sont posés, c'est tellement si haut, parce que l'épreuve de Job, Dieu l'a placée tellement si haut, qu'aucun ne peut arriver à pouvoir passer par là où Job a passé. Dans nos épreuves à nous, quand on considère Job, par rapport à Job, l'épreuve ne peut pas être comme celle de Job. Vous me donnez encore deux minutes. Regardez comment Dieu a eu à pouvoir agir avec Job, qui priait pour ses enfants. Non. C'est pour ça, quand nous passons par les épreuves, regardons ce que Dieu a eu à pouvoir faire. Et surtout, comme disait, ah, je suis un homme, je n'en peux plus, considérez aussi qu'il y a eu des hommes qui ont eu tellement plus haut que vous, mais qui n'ont jamais régné Dieu, mais qui sont restés accrochés à Dieu. Et pendant ce temps-là qui passait par cette épreuve-là, mon frère et ma soeur, nous devons vraiment être droits et justes envers tout le monde, frères et sœurs, nos enfants, nos petits-enfants, tout ce que nous avons effectivement dans notre marche, dans notre vie, effectivement. Notre seul objectif, c'est que tout un chacun puisse voir la face de Dieu. Mais regardez comment Dieu a eu à pouvoir faire. Il a permis que tout ce qui était des jeunes, même ses enfants pour qui il pleurait, il priait effectivement aussi. Vous voyez d'abord qu'on nous dit que, non, des bons matins, il s'est levé. Il priait pour ses enfants. Imaginez que ces enfants-là, mais en plus, c'est, comme on le dit, effectivement, des bouffes s'est passé à un moment. Tous sont partis. Mais vous allez attraper la folie. Mais bien sûr. C'est la folie que vous allez attraper. On ne va plus vous contrôler. Mais Job n'est pas devenu fou. Et pour ça, il faut que nous nous regardons. Dieu ne nous doit rien. Il ne nous doit absolument rien. C'est lui à qui nous devons beaucoup. Oui. Mais regarde la bonté de Dieu, même quand tu passes. Toujours, c'est la position que tu maintiens, même dans l'épreuve dans laquelle. Ne dis jamais, mon épreuve est tellement si grande, parce que Dieu t'a montré que Job, ta souffrance, même avec ta famille que tu peux passer, ne peut jamais atteindre ce que Job a eu à pouvoir atteindre. Mais à la fin, à cause de son amour pour Dieu, la fidélité pour Dieu, et par la partie des preuves, effectivement, Dieu l'a élevé encore et lui a redonné ce qu'il avait perdu. Pour les aliments, pour ses biens, au double. Mais pour ses enfants, le même nombre d'enfants. On a dit que dans toute la contrée, il n'y avait pas de plus belles filles. C'est écrit, hein. On va dire, voir Dieu, et a donné, j'ai une plus belle fille, que c'est un des gens, pas. C'est la vérité. C'est la Bible qui le dit. Pas moi qui l'ai dit. Dieu notre Seigneur est fidèle. Si nous savions cela,
Mets-toi en pratique. Nous nous levons des beaux matins. Nous prions pour le nôtre. En implorant la grâce. En priant, en pleurant pour eux. Pour que nos filles grandissent bien. Nos enfants grandissent bien. Si quelque part ils ont boité, que Dieu chasse cet esprit mauvais. Qu'ils puissent les redresser. Qu'ils viennent bien. Et que nous louons Dieu ensemble. Et que nous partions aussi ensemble. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous as accordée encore ce soir. D'être heureux dans ta maison, Seigneur, de bénéficier de cette grâce que tu nous as accordée, d'être un peuple qui est à toi. Souverain, bien mon sauveur, nous t'aimons, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu es réellement le Dieu qui nous aime et que nous aimons et que nous désirons vraiment vivre et marcher avec, Seigneur. Instruis-nous encore et nous serons donc instruits, mon bien-aimé Père. Nous voulons te donner vraiment du temps dans notre vie. Tu nous apprends, Seigneur Jésus, Père Tubissant, à racheter les temps. Nous passons notre temps à des choses vraiment inutiles, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Le diable est tellement rusé en nous mettant des choses devant nous qui nous préoccupent l'esprit tout le temps. Et maintenant, nous voulons racheter les temps. Nous voulons vraiment nous mettre à genoux, Père Saint-Dieu, et avoir des moments de pouvoir passer avec toi. Pardonne-nous, Père Dieu, soutiens-nous et nous prions aussi pour nos enfants, nos petits-enfants aussi, Père Saint-Dieu, et nous prions pour eux. Seigneur Jésus, tu vois combien les diables travaillent et cherchent à pouvoir détruire, mais tu es le Dieu qui garde encore, qui agit encore, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Tu nous as instruits et nous voulons vivre avec toi, nous voulons marcher avec toi. Garde ton peuple, mon roi, garde leur bien, leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, mon roi, nous sommes à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tout ce que tu nous as donné, Seigneur, c'est entre tes mains que nous le remettons sur toi. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous te remercions pour tous les bienfaits, car nous t'avons ainsi prié. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais juste vous dire une chose, c'est que je viens de perdre mon oncle qui a été tué à Kinshasa. Et il était tué donc le samedi. On m'avait appelé donc là-bas en Afrique le samedi. Et son enterrement aura lieu effectivement ce jeudi. Je savais cela depuis samedi. Je ne voulais pas le dire le dimanche parce que nous avons réunion aussi afin que nous puissions passer aussi des bons moments dans la présence du Seigneur. Mais que Dieu vous bénisse. Je sais que vous allez prier pour moi. Je sais que vous mortez aussi dans votre cœur, que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous fortifie aussi. Dieu, notre Seigneur a donné, il a aussi repris, que son saint nom soit béni. Chaque jour de ma vie, viens mon grand, je te lis. Oh Seigneur, merci. À toi moi, je te prie. Je te prie à te donner.